On January 12, 2010, Haiti was hit by a massive earthquake, which destroyed the homes and businesses of 1.5 million people. More than $9 billion U.S. were committed by international donors to help Haiti rebuild. The government declared Haiti open for business, and foreign companies were invited to set up shop. But the government's plans relied on enough land being available to house these projects. And with food supplies already stretched, farmers are being pushed off their land. La question de terre en Haïti, c'est une bagaille qui est difficile. Pas oublier, qui veut dire, ou mettre fou la terre dans le pays, parfois l'État pas même compte terre qui brûle. Terre qui te ka faire manger, terre qui te ka construire l'école, terre qui te ka faire l'hôpital. Là, yon rencontre que nous t'ai fait Washington et que m'ai soulevé point ça comme un problème que nous t'ai gagné parce que le ça gouvernement Joseph Michel Matéli t'ai fait monter et que t'ai grand pile représentant dans salle là. Donc s'il vous plaît, fais l'état ba nous terrain pour nous mettre moun yo parce que nous cap au moins retirer 160 familles dans la rue. Non, yo pas dit rien. Même descendre moi fin descendre pour job dans côté m'ta parler hein moi vin a passer côté youn là dedans yo li relé moi et puis il dit ça faut pas ba nous million de dollars ça pitou. Donors have channeled funds to Haiti in order to facilitate land grabs. Specifically, the US government USAID has pushed for the construction of the Caracol Industrial Park. Dans le Caracol, nous voyons tout le monde qui est là-dedans, tout c'est des gens qui sont pleins. Nous visitons en dedans. Dans tout le building qu'on a construit, combien là-dedans qui fonctionne? Heavily backed by US government funding, the Caracol Industrial Park was built, promising 65,000 jobs. Yet, today, only 4,500 people are working there. It has employees getting paid about 200 goods a day, which is considered by all accounts just poverty wages. They're not enough to feed one person 3 square meals a day, let alone an entire family. Donc, alors, donc, de quel développement on parle? Ni pas pour peuple haïtien. Donc, bénéfice là, en réalité, ni pas jamais pour Haïti. The Caracol area is about 246 hectares of prime agricultural land that communities had relied upon for decades to feed their families, to earn a living and send their kids to school, to attend to their health needs, and that land was grabbed away from them in a matter of days from what they tell us to build an industrial park, which is considered the flagship project of the reconstruction. Terre Caracol là sont terres qui te kon respecte responsable toute nord nord-est dans affaire banane manger etc. que yo vinn prend yo vinn mettre béton sous li là nous gen parc industriel là qui fait nous plus gros habit qui gagné pour département nord-est parce que gen l'autre côté yo te ka mettre parc industriel là qui moins productif non parti terre pendant mirai la passer sous li mirai la passer. Yo mette l'électricité à pied devant. Terre, ce sont des terres. Depuis que la pluie, de vous plantez un bagage. Depuis que vous avez la pluie, c'est pour feuilles. Parce que terre aussi tellement vivante, vous pouvez se planter rapide. Et mais c'est comme ça, moi, ça sont politiques. Côté qui fait jardin, c'est là, vous prenez directement pour faire pas là. Donc, Caracol, c'est quoi? Caracol, c'est juste. Une façon pour faire les gens qui sont plus riches retourner vivre plus riches et puis ça plus pauvre vivre plus pauvre.